Donc extrêmement intéressant pour nous. Je n'utilise plus que le CLP. Peut-être que pour vous, ça va être une marque différente. Quelque chose d'un produit différent, mais on a ici un produit deux en un. La grosse bouteille, j'adore parce que c'est un produit en mousse. Donc la mousse va venir se déposer sur le métal et encore une fois venir nettoyer notre arme, mais aussi déposer un film protecteur et lubrifiant sur le métal. Extrêmement intéressant. Je vais laisser reposer ça quelques secondes. Mais donc CLP, une petite bouteille de CLP, parfait, ça rentre dans le kit. Ensuite, bien évidemment, généralement, on va avoir tout ce qui est écouvillon, baguette de nettoyage et pièces en coton. J'ai éliminé totalement ces trois systèmes en entier et je suis passé à des bore snakes. Les bore snakes, tout simplement, c'est le même principe. Généralement, un kit de nettoyage, c'est un luxe. On voit qu'il y a énormément de combattants dans le monde qui n'ont pas, bien évidemment, ce genre de kit de nettoyage pour réparer, maintenir ou nettoyer leurs armes à feu. Qu'est-ce qu'ils utilisent sur le terrain? Généralement, leur lacet de chaussure. Ils prennent leur lacet de chaussure, ils font un espèce de nœud au bout et ils vont passer ce lacet de chaussure au travers de leur canon. Et ici, on a un petit peu avec le bore snake le même principe. Ça va être un espèce de lacet qui va venir nettoyer nos armes à feu. Le gros avantage de ce